Alors, bon. Petit double saut. Il est presque, on va y arriver. Ok, maintenant on devrait avoir accès à cette zone là-haut. C'est ça. On a accès au petit bonus. Attention, ça va exploser. On va pas monter en haut cette fois-ci alors comment on ne pouvait pas. Oh non! Cochonnerie. Bonjour Lupo. Et bienvenue à la caverne, nous sommes donc le domaine du grand Kuolok, le gardien du marais, et grâce à lui les choses ont très peu changé depuis le début du déclin. Allez file, ah ça du grand crapaud, allez donne la carte. Alors. Eh, on en est où de la zone, nous? On est là. La map a l'air gigantesque. LOL. On est perdu. Lost in translation. Et du coup on va aller par l'ouest, rien de nouveau. Oh. Ok, j'ai bien une idée. Ah si tu repasses dans l'autre sens c'est bon je comprends. Ah et lol, et en plus faut tirer à l'arc pendant ce temps. Quelle infamie. Le mec il rigole zéro quoi. Ouf, je sais pas ce que je voulais, mais je tire rapide un nouveau fragment spirituel utilisé pour attaquer proprement un classe spirituel. Très bien. Ouf. J'ai regardé le quiz du joueur du grenier, c'est j'ai trop fort pour les réponses. Merci. Bah on est tous de notre temps fort avec tous deux notre temps fort avec Magla. Elle c'est la carry la première phase. On a fait moitié-moitié sur la deuxième et j'ai plus cédé au niveau de la finale. C'était bien sympa. Ah mais en fait j'ai changé les points de chaîne. Pourquoi j'ai changé les points de chaîne? Parce que j'en ai en retard. J'avais 3 jeux de retard sur les points de chaîne. Et donc en fait j'attends d'avoir vidé le stock. Il m'en reste un que je vais essayer cette semaine et certainement un autre la semaine prochaine. Et après je remettrai. Et après je remettrai en fait. C'est juste pour éviter que j'en ai 50 en retard. D
dès que j'aurai, je veux dire, éclusé le stock, ce sera bon. Peut-être c'était en bas qu'il fallait que je descende et que j'ai raté un truc là. Ah, il y a l'air d'avoir quelque chose. Et merci Gokis Love. Allez, le 1 million avant la marmotte sur les wolves. Oui, peut-être même ce week-end. Peut-être même ce week-end si vous êtes assez au taquet, sachant que demain il y a un double stream. Oh lol, il m'a tué quand même. Ok. Au final, je suis pas persuadé que sa chance, ça déclare juste l'échéance. De quoi tu parles? Alvaten, ça peut très bien marcher aussi avec les points de chaîne, ce que tu dis. Ça l'a pris. C'est d'y arriver. Ah oui, sur lesquels les chances, c'est pas grave ça. J'en vais, c'est plus facile pour moi m'organiser pour mon planning. C'est plus une question d'organisation personnelle. Je sais bien qu'ils auront lieu après les points de chaîne, ça me dérange pas ça. C'est juste que je veux pas avoir. En fait, psychologiquement, c'est plus facile de dire qu'on doit faire une chose que quand on doit en faire 50, je trouve. Enfin, c'est personnel. Merci Wakiz Love. Soyez tous comme Wakiz Love, de l'amour et des subs. Merci beaucoup. N'oubliez pas qu'à 750, je révèle. Ah oui, encore un plus de vie. Je révèle tous les bails de l'époque de Millennium et de Webedia. Donc on vient d'arriver là. On peut participer au défi. Alors qu'est-ce que c'est que ce défi? Il faut faire quoi? C'est-à-dire, oui. Il faut revenir jusque là-haut, très bien. Mais lol! Presque. Voilà. Facile. Bim, 1000. Très bien. Parfait. Merci. Et bon, on a, comme on dit, on a pas fait le chemin pour rien. C'est comme tellement bien d'avoir 5 points de vie. Hop, qu'est-ce que je fais? Attendez, je fais de la merde.
Ok, donc ça c'est fait déjà. Il doit y avoir un truc que j'ai pas forcément bien fait là. MDR. Y'a pas l'angle. Oh là là! Mais non, mais t'arrives et tu te fais bolosser par des moustiques en boucle, vas-y, ça me rappelle les premiers Rayman! Mais laissez-moi vivre! Mais laissez-moi vivre! J'ai à peine le temps de bouger mon personnage qui sont déjà à deux sur moi! Et j'avais oublié qu'il y a ça derrière. En mode, tu m'as réglé pour le quiz du JDG. Bah, de rien, plaisir. Plaisir partagé, j'adorais le faire ce quiz. Très agréable. Ah, mais maintenant j'ai plus de. Ah, le premier Rayman était ultra dur. Hein. Ok, faut remonter par là-haut. La différence de questions entre deux quiz est assez flagrante. Je vais pas regarder le quiz de questions pour un streamer, je dormais. Je suis pas être au niveau des questions, ce qu'il y avait. Bon. Je crois que j'ai absolument pas suivi questions pour un streamer. Je dormais en fait, j'ai pas de. Ok. On m'a dit que tu as vu les fantômes, et il y en a d'autres comme ceux, c'est la course avec eux. Oui, mais j'ai déjà fait la course avec eux. C'est pas de chaussettes sauvages. Ah, c'est juste en dessous que je pouvais aller en fait, où je pouvais pas aller avant et que maintenant je peux, c'est ça. Le quiz du GDG était facile si on pensait à bien regarder les images et ouvrir les oreilles, écouter les oreilles. Ok, c'est bon. Non mais les moustiques, sérieusement, ils sont hardcore dans le jeu. Ils te foncent dessus, ils arrivent, t'enlèves la moitié de ta barre de vie, et dès que tu meurs, ils reviennent à la frame. Ça va? Allez. Ok, il y a moins de ce TP avec ça, c'est intéressant. Du coup, il TP où par curiosité? Il TP...
TP où? TP dans mon arrière-train, il TP pas, il TP là? Ouais, vite fait le TP que t'as envie de le faire. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça encore? Un scarabée, papa? Un papa rabais? Le dash Trembert. Non mais vas-y, que je me fais choper ça. Merci Albaten pour le subwoofer. C'est monsieur. Quand même, je suis appris. D'ailleurs, je vais tester ma révolte. Ah, je suis pas sûr que c'était concluant. Si t'as besoin de faire d'autres essais, n'hésite pas. Ce stream est tout prêt à te. À essayer. Oh, pas ça quand je suis là? En tout cas, merci beaucoup. Ouais, il manque un pouvoir encore. Un pouvoir qu'on n'a pas depuis le début du jeu. Un truc qu'on va voir après. Mais par contre, vous aurez clairement plus besoin d'aliens avant. C'est un test.
C'est bien, tu sais le pouvoir qu'ils vont te donner. C'est l'avantage. Oui, je vais absorber la lumière. Bonjour à Noël Flantier, bonjour à ceux qui arrivent. Voilà, tu as obtenu une nouvelle compétence. Plus longuement se relever près d'une lanterne. Plus rien de ton saut. Elle baisse celui-là. Ah d'accord, t'as un temps par contre, oui, il faut pas... Ok. Ah. Ouais, t'as vraiment qu'un temps donné. Que j'ai pas encore. Bon. Merci Xeno pour mettre le missile en haut, faut aller en bas. Mais oui, c'est évident. C'était sûr. J'aurais jamais pensé. Hein. Pour vous mentir, j'aurais mis 1000 ans pour y penser, environ. Là, j'ai complètement oublié que je... Non, mais vous savez, hein, l'intelligence, c'est quelque chose de... Ou la logique, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas, hein. Un fragment de vie. Nice. J'aime les fragments de vie. Ça me parle. Ah merde, le feu lui. Et d'où il est vénère? Calme ta joie un peu. On y est? Non. Pas du tout. C'est Krabby Krabo? C'est Bernard l'Ermite? Faut arrêter avec les statues chelous quand même, à un moment donné. Hein. Ouais. Il faut que je monte.
Merde, c'est pas le bon bouton. Mais vas-y, il y a deux boutons là dans le jeu, ça me perturbe. Quelles ont du plaisir, n'empêche. C'est faux, hein, c'est pas du plaisir! Bon, tout va bien se passer, on va pas s'énerver. Le jeu est mignon, le jeu est doux, le jeu n'est qu'amour, donc on va rester amour, mignonnerie et tout et tout. Il y a eu damage boost sur l'ennemi, personne n'y avait pensé, même pas moi. Mais vas-y, t'as déjà deux boutons, j'arrive à me tromper. Voix du silence, c'est parti. Ah mais c'est là où il faut que j'aille au bois du silence. Ah, il y a gros crapaud, on est arrivé à gros crapaud. Joue gros crapaud. Salut! Industrie dans mon marais! Les moquets donc raison, je voulais croire, ça faisait si longtemps. Je suis Quoloc et tu es le bienvenu dans mon marais, petit esprit. Les moquets m'ont dit que tu cherchais ton ami, une petite chouette, elle tombait loin ici, à l'est. Les prisonnières du bois du silence. Là où les hiboux ont disparu. Cette ambiance. Le cours d'eau derrière moi est mené avant, mais l'eau est désormais croupie, infranchissable. Il existe une solution, cependant un grand moulin est à l'arrêt dans la source à l'ouest d'ici. Si leur amener un en marche, ils ont retrouvé leur vivacité et leur clarté. Les Moku ont besoin de moi, je peux dire quelque chose en revanche. Une épée magique. Un fragment de la lumière ancienne qui illuminait autrefois ces terres. Ah mais lui il s'est limité trop là, il se jetait sur les ennemis avant. Oui. Ah non. Listen please.
Non! Il y a bien longtemps que je n'ai pas quitté les marais, mais je ferai de mon mieux. La source a besoin de notre aide. Hey! Listen, please! Diwasawe Untawa. Redémarrons le moulin. Tout va bien. Ah, t'as des récompenses aux quêtes, incroyable! Faut les trouver. Voie de la forêt, ta santé et l'énergie maximum augmentée. Quelle bonne nouvelle! Ça tue assez vite. Les eaux sont souillées, on ne peut pas pêcher ni nager. Oh, mauvaise! Oh, sali! Le moulin s'est arrêté, c'est pour ça que l'eau snagde. Pas comme un poil par là. Pas trop. Deux boutons, hein, n'oubliez pas. Deux boutons et je galère. Vous comprenez, bonjour Jebari, vous comprenez pourquoi je joue pas le jeu avec trop de boutons? Déjà là, j'ai simplement dash et récupérer les lampes et je me trompe une fois sur deux. Vous comprenez pourquoi c'est une catastrophe pour moi? Genre je ne fais pas semblant. Oh, ils m'ouvrent la voix. Ils sont si mignons. Vous comprenez pourquoi je préfère les jeux de gestion maintenant? Ah merde, je suis perdu. Bonjour, tout le coca. Bien le bonjour. J'ai hâte d'avoir les points pour tirer à Dwarf Fortress. Mais c'est que t'as même pas besoin de me le faire. Yeah, j'adore le fait qu'on ait pas de frame d'invulnérabilité, ça me plaît beaucoup ça. Vous savez, les frames d'invulnérabilité, ce fait que quand tu es touché par un ennemi, t'es invulnérable pendant une fraction de seconde pour éviter justement qu'il fasse infinifier. Voilà, j'aime beaucoup. Dwarf Fortress, il est en train d'être porté sur Steam. En fait, j'attends qu'il y ait un portage. Mais il est en train de. Je sais qu'il est sur Steam, il est en. Tu peux le wishlister. Mais après, c'est sûr que si tu le levais toi, tu le verras plus tôt. Parce que moi, quand je dis que je vais jouer, des fois, c'est dans moult temps. Tu n'es pas un moquis, ça se voit, ça serait tombe trop. Je vois plein de choses, comme cette carte que j'ai trouvée. Je donnerai bien Lupo, mais j'ai assez, je devrais aller voir celui qui a des plumes. Je dois te dire qu'il adorait les cartes, hein, ça. Bien sûr, je donnerai. Allez. Oui. Raté. Pas raté. Ah, il est minerai. Minerai que je sais toujours pas à quoi il sert. On a des minerais. Ça ira peut-être plus tard.
Qui a démoli mon mur? Oh, c'est moi. Ah. Ce n'est pas parce qu'il laisse moi te regarder plus près. J'arrive. Clairière de la source. Un peu d'amour et de bonté. Hey! Ah, je vois que tu arrives jusqu'aux clairières, esprit. Tu voyages, n'aurais-tu pas venu à la source par hasard? Je te dis rumeur que c'est une vieille bibliothèque là-bas. J'ai bien envie d'y aller faire un tour. Discrosant peut-être? Alors. Ah, c'est le marteau que je voulais, moi. Ouais. Faut garder un peu de points quand même. Attendez, c'est quoi marteau spirituel? Ça a l'air bien. J'aime bien le geste. J'espère que ça fait des gros dégâts par contre. Oh, dis-moi ce petit que tu as. Qu'est-ce que c'est? Sorte des traînettes, ce petit se croyait que c'est une carte au trésor. Tiens, tu changes contre mon sac d'aventurier. Quelque chose dit que je vais avoir besoin d'un plus gros sac. C'est mon gros. Ok. Bonjour monsieur Grom. Je voudrais pas croire le meilleur, mais tu blagues. Niwen a de nouveau un esprit. Le mur n'est pas resté longtemps. Mes talents de bâtisseur sont plus qu'ils étaient. Quoi que l'on soit, je promets de créer un refuge contre le déclin ici. C'est clairière contre sur moi, esprit. Nous sommes je crains de savoir le monde. Mais peut-être que je me sens laisser l'abandon. D'accord. Oh. Ok. Alors que tout le monde est sur le sable, l'esprit remarque le possède une Gorlek. J'espère que vous pourrez stylé ce que nous avons construit. Maintenant que tu es là, c'est différent. C'est quoi tes projets? Je peux pas pour l'instant. Du coup, on peut stepper. D'accord, bon, on essaie de continuer à explorer un peu ces clairières. Aïe! Cette clairière, c'est un vrai paradis pour les moquis. Ma famille va se plaire si nous n'avons pas de maison. Le tableau de serre pourra peut-être nous aider. Est-ce qu'il peut construire une maison? Je crois pas mes yeux. Ok, c'est un peu cher encore la maison, j'ai pas assez de trucs. Il manque un pixel. Mm-hmm.
J'aime pas trop ce marteau. Ouais, on verra après. C'est autre chose. Pour l'instant, je suis pas très fan du moveset. Je trouve ça lent et lourd. Après, ça dépasse comme un porc, ça se négocie. Mais pour l'instant, je suis pas ultra fan. Bonjour, Twilan. Ah, triple saut. MDR. On regarde la thune. Oh, salut. Oh, merde. Pardon. Excuse my language. Bon, rien que pour ça, c'est pas mal le marteau de pouvoir casser les trucs destructibles en vrai. Ah, il y a plein de monde. Salut Motet. Je reviens pas, un véritable esprit, plus petit, le truc tellement. Je fais le danger partout, je te surveille. Ah d'accord, c'est le temps que je joue. Progression 9%. Décès, bah voilà, 56 morts. Quelqu'un veut savoir combien de fois je suis mort? 56 fois. Oh, 24. Ah oui. Ok. See you soon. Du coup, c'est un peu le hub. Il n'y avait pas de hub dans le premier Ori d'ailleurs. Ok. Triple saut, il fera du bien, n'empêche. Ouais, le DPS elle est ok. Pardon, on est revenu où là? Ah non, on est jamais venu là. Et c'est le moulin vers la gauche, ok. Il y a quand même un gros DPS, ça me parle. Territoire de bord, la source, bassin de Luma. On va aller vers la source, mais après. Le triple son, on rappelle. Putain, c'est beau. Il y a quelqu'un qui dort, ça a l'air chelou. Terrible. Tandis que je lutte pour ouvrir un bocal. Voilà, hop. J'ai vaincu le bocal. Oh, un ours. Il est si mignon. Ah, il dort par contre.
Car. Oh, tu vas à l'endroit où il fait froid. Je m'y rends pour cuire des baies des sommets. Enfin, je voulais m'y rendre, mais il y a un gros ours sur la route, il est endormi. J'étais le réveillant en lui chatouillant le nez avec une touffe d'herbe, mais ça n'a pas marché. Peut-être que l'herbe n'est pas assez grosse ou que c'est moi. Ok. On va aller vers la source du coup. Ouais. Je suis full YOLO hein. Nous connaissons cet endroit, l'eau des bassins de l'Huma coule en ces lieux insoufflant la vie dans les marais. Du moins elle coule avant le déclin, avant que le moulin ne s'arrête. Ok. On peut monter quoi. Rien de grave. On va monter. La source. On va monter. Ah là, l'erreur. L'erreur, c'était sûr. Le haut, c'est pas mal finalement. Hein. Bonjour, Offer. J'ai décidé de partir à chercher des bibliothèques. J'entends dire que tu veux remettre les roues de la source. Une noble quête. Cependant, je viens faire que nos deux quêtes arrêtent à cette porte. Elle ne bouge pas d'un pouce. On va le trouver comment faire bouger cette porte, c'est que ça. Allez, hop là. J'adore faire ça. Ça m'éclate. C'est le mouvement perpétuel cette histoire encore une fois. Alors même avec un quintuple son on passe pas dans cette direction. Truc à monter. Ah mes souhaits. Voilà. Peut-être là où il y avait un petit trou que j'ai raté. Ah, c'est la fin, c'est la maladie. Peut-être mon dernier stream. J'aimerais bien qu'à titre post-mortem, vous puissiez me faire passer 1000 subs. Merci beaucoup. Pour la veuve et les orphelins. Ok. Ah c'est bon, j'ai compris le bail. Il est compliqué quand même. Et merci 666 Brew pour le 16e mois avec Gaming Prime. Merci monsieur. Merci monsieur. Alors RT. Je suis parti une heure, t'as bien avancé, marteau plus chachou. Yes. Carrément. Ok. En fait, on pouvait monter. Je m'embêtais trop. C'est par là. Ah, on est rip. Terrible. La ripitude. Nous allons régler ce problème. Évidemment.